Rebonjour YouTube, tout de suite plus de LOL comme promis. Avec un type qui a un costume qui est un peu abîmé, par contre la cravate reste nickel. Alors, et ça c'est une bonne nouvelle. C'est drôle, je crois que t'as plus d'ennemis que moi là-bas. T'imagines vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter? Bon, faut que je file. Hey, bonne chance Willy, je crois que tu vas en avoir besoin. Crétin, c'est moi qui maintenais l'ordre dans cette ville. T'es pas plutôt les flics? Tu verras. Dans un mois, tu vas me supplier de revenir! Je comprends pas parce que... Le Kingpin va aller en prison. C'est la fin d'une époque. Le type avait... Ou peut-être prendre des vacances. Le type avait corrompu la moitié des flics, donc qu'est-ce qui nous dit qu'il va arriver en tôle et qu'on va pas l'autoriser à s'échapper dans 10 secondes? Ouh, ça c'est sympa par contre. Oh Jésus-Christ! Terminer les missions et éliminer les ennemis pour gagner de l'XP et gagner des points de compétence. Alors. Maintenant, saisir, projeter les ennemis entoilés et électrifier. Vous pouvez jeter d'autres ennemis et les coller à un mur. Maintenant, pour les airs, pour un coup de pied latéral. Alors attendez, laissez-moi regarder les compétences ultimes de chaque arme. Projection aérienne, repousse les ennemis à proximité, d'accord. Bon. Déclenche immédiatement un second coup de grain sur les ennemis de base. Ok, ça peut être effectivement assez craquemasse. Envoyez des roquettes à votre ennemi. Ok, ça c'est très craquemasse. Ça aussi c'est assez craquemasse. Bien. On a des choses assez craquemasse ici, on a des choses assez craquemasse là. C'est-à-dire projeter les ennemis. Oui, ça c'est plutôt pas mal. On va faire ça. Ok, ensuite. Peter, où es-tu? Le comité va arriver. Nous devons encore vérifier le matériel. Je suis tout prêt. À quelques rues. Je me débrouillerai. Non, on arrive, on arrive, on arrive. C'est trop dangereux. C'est imminent. J'adore l'enthousiasme du doc, mais ça a le don de lui créer des problèmes. Je ferais bien me dépêcher avant qu'il se blesse. Ok, L3 dans les airs pour plonger. Ah. Aïe. Aïe. C'est exactement ce que je voulais faire si on me pose la question. J'ai une vision très personnelle des déplacements de Spider-Man. Dans ma version, il se mange tous les bâtiments. Tous les arbres, tout ce qui passe sur son chemin. C'est mon Spider-Man et vous pouvez pas me dire qu'il est moins légitime que le vôtre. Bonjour. Il bosse peut-être dans un labo à cette époque-là. Bon, on va vérifier. Je sais déjà ce qui se passe parce que j'ai déjà vu un début de let's play. Je vais pas vous spoiler. C'est Doc Ock. Pardon, je suis en retard, je me... Hey, c'est Doc Ock. Je l'avais dit. Vous avez déjà commencé? La direction du comité de subvention sera bientôt là. T'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement, je crois pouvoir m'en sortir. Pourquoi il ressemble à Norman Osborn, le Peter Parker? Le filtreur électrique. Level 11, niveau de golfeur, rang 6. Oui, donc effectivement, t'as bien avancé déjà. Tom la pomme. On peut-être arrêter. Pas encore. Ça a l'air de très bien se passer. Non, ça a l'air génial. Ça a vraiment l'air de marcher. Est-ce que ça va? C'est pas encore ça. Mais on progresse. Ouais, ouais, ouais. On progresse à mort.
Vous êtes blessé ? Non, mais tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. C'est Yata, y a pas de souci, tu es toujours le bienvenu, voyons. Je vous assure, la phase suivante... Ne nous emballons pas si vite. Est-ce qu'on pourrait aller en discuter autre part ? Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais on en reparlera plus tard. Est-ce qu'il va nous tenir personnellement responsable de l'échec de l'expérience ? Parce qu'on est un peu personnellement responsable de l'échec de l'expérience. C'est pour ça que je dis ça. Vu qu'on a un peu tout chié. C'était une catastrophe. Pourquoi le filtre n'aura pas marché ? Le doc m'a dit de prendre ma journée, mais... Je veux comprendre ce qui s'est passé. T'es pas en grande forme, toi. Oui, effectivement, il bouge pas des masses. Ah si. Voyons d'où vient le problème. Vous sentez cette odeur de mini-jeu à la con, là ? Je vous jure qu'il y a une odeur de mini-jeu à la con. C'est pas que chez moi, là. Ah oh bah tiens, un mini-jeu à la con. Oh ma merde. Si je l'avais vu venir. Moi aussi j'aime beaucoup jouer à Pipe Dream. Comment on pivote ? Merci. Excusez-moi, on va pas y passer la semaine. Voilà. Ça y est. Alors non, Douyata, je suis équipé. Je suis équipé. Je suis occupé en diverses réunions de famille à partir de... Je travaille demain et dimanche, lundi, mardi, je suis en réunion de famille. N'est point grave. Il y aura sans doute d'autres streamers de la Maison du Bonheur pour vous accompagner. Je pense à la musique Zig, qui j'en doute pas sera... Enfin, à mon avis, elle va faire un truc Zig, la connaissant. Non, on est occupé ce week-end-là. C'est pour ça que je profite du jour férié pour streamer en votre compagnie. Enfin, votre compagnie, on se comprend. Pourquoi j'ai l'impression de... Ah ! Juste chier dans la colle. C'est bien, on recommence. Alors... Ah putain, j'ai oublié de me... Oh là 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 là. Oui, donc excusez-moi, oh, là, ça arrive, oui. Petite tuberculose, rien de très grave. Distribue l'attention. Oh, merci Douyata qui nous hoste. Quel plaisir. Petite tuberculose bénigne, ne paniquez pas, hein, ça arrive à tout le monde. Tension actuelle 2. Tension actuelle 1. Tension actuelle 2. Fait une tension de 3. Et d'accord, et maintenant je suis censé... Oh la vache. Oh, ça va être chiant, puzzle, là. Oh, je sens que ça va être chier. Mais ça fait toujours plaisir de Wiyata, moi je suis toujours content. Ah, il va falloir faire ça. Ah oui, d'accord, non, parce que là j'ai commencé à y avoir peur. Voyons si ça marche.
comme neuf. Ok. Le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. J'ai qu'à faire ça maintenant. En même temps, si tu te pointais à l'heure à ton boulot, oui, je sais qu'il y avait un criminel en liberté. Et il n'y a pas une touche pour courir dans le jeu, accessoirement. Non, vous êtes contre, très bien. C'est le grand jour. Audit du comité de subvention. Non, on l'est pas. Je jure devant Dieu si c'est un autre mini-jeu à la con. Oh fuck. C'était un nouveau conducteur pour les prothèses. Pensez à récupérer Assassin's Creed Unity. Oui, je l'ai récupéré sur Uplay. Effectivement. Maintenant, je ne sais pas si mon PC en l'état va être capable de le faire tourner, mais si jamais je le rénove un jour, ce sera toujours cette prix. Plutôt quand je le rénoverai, ce sera toujours cette prix. Composite hydrogel polymère. Résistant, mais avec une forte impédance. Je devrais dire au doc d'explorer d'autres pistes. Je ne comprends pas les mots que tu utilises, gamin. Tu parles, mais je ne t'entends pas. Bon, je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver encore la situation du doc. Les nouveaux projets spectrographiques sont disponibles dans le labo. Bah, tant qu'on y est, à se faire chier. Oui, gratuit, c'est pas cher quand même. Ah, ça débloque, c'est de l'XP. Ah. Bah maintenant qu'il est patché, il est apparemment très correct. Qu'est-ce que le doc faisait avec ça ? D'accord, donc ça c'est des erreurs. Très bien. Donc celui-là ici, celui-là là, et celui-là là. Allez, facile. Magnifique. Merci. On dirait un autre conducteur potentiel. Ah la vache, donc maintenant il faut les superposer, grand Dieu. Donc, imaginons que je fasse ça. Et ça, c'est ça ? Non. Ah non. Dans le sens, c'est ce que vous faites. Vous raisonnez à professeur. Donc non, c'est ça et ça. Oui ! Quel génie ! Vraiment, je me fatigue d'intelligence, en fait. D'accord ? Et ? Là, c'est plus compliqué. Je crois que ça va être ça et ça. Magnifique. J'espère que vous êtes ému par ce génie que vous voyez que vous allez exploser à l'écran. Là. Un réseau interpénétrant d'hydrogène. C'est intéressant. Ce serait parfait comme interface thermique. Tais-toi. Pour l'amour du ciel, tais-toi. Ah, il reste verrouillé. Très bien. Vous avez fait tout ce qu'on avait à faire pour l'instant, c'est noté. Alors. Au moins, on a gagné des points d'XP. Et ça, c'est un peu déjà la victoire. Alors non, je n'aime pas trop la voix de Donald Renew, non. Parce que, encore une fois, giflé. Giflé très fort. Je l'ai giflé si fort que les draps s'en souviennent. Hein, comme on chantait à l'époque. Je ne sais plus qui chantait cette chanson. J'ai David et Jonathan en tête, mais ça n'est pas ça. Spider-Man. Oui, je... Alors, fils qui est arrivé à Riker ? Non, pas à Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Ah ! Il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Le gratin est là-bas. Fils qui va être content. Vous pourriez passer au commissariat ? J'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout partout. Bienvenue à l'hôtel commissariat. J'arrive tout de suite. Ça va, j'ai le droit de citer les grands auteurs. On dirait que Jameson a sorti un nouvel épisode. On va écouter ça. Je me demande ce que mon plus grand fan pense de l'arrestation de Fisk. Bienvenue dans État de fait avec J. Jonah Jameson, l'émission où les auditeurs prennent la parole sur notre ville et son actualité. Notre lauréat d'un prix Pulitzer. Non, deux. Deux prix Pulitzer et ancien rédacteur en chef du Daily Bugle. Le bouquin. Et comme toujours, si vous commandez l'ouvrage de Monsieur Jameson, Spider-Man, Danger ou Menace, dans les 24 heures suivant la diffusion, vous recevez un exemplaire dédicacé sans frais supplémentaires. Mais pas d'autographe à votre nom. C'est pas la peine de réclamer. D'accord.
Ça sent le podcast bien dégueulasse. Oui, ok, d'accord. InfoWars, très bien. Vous êtes à l'antenne. Parlez. Bon, alors, malgré vos opinions, on peut dire que Spider-Man a fait du bon boulot en arrêtant Wilson Fisk. C'est vrai, une crapule en moins, tout le monde y gagne. Ah, voyons. Dites-moi, vous êtes quoi ? Policier ? Procureur ? Ou comme moi, journaliste chevronné, récompensé par deux Pulitzer ? Ah non, non. Salut, lapin chauve. Je vous cacherai pas, là, je suis en train un peu juste de kiffer et voler en l'air. Parce que voler sur le sol, c'est plus compliqué. Dès qu'il y en a un qui tombe, tous les barjots avec un flingue, un survêt et une chaîne en or se prennent pour le nouveau parrain. Ça va être la guerre des gangs dans la... Il a peut-être pas tort pour une fois. Vous croyez que ça lui fait quelque chose à ce crétin masqué ? Il s'en tape. Il est passé à la télé. C'est tout ce qui compte. Ouais, bah n'empêche que je peux me fournir en tuyau de cuivre sans verser de bac chiche. Alors en attendant votre guerre des gangs, moi je soutiens l'araignée. Et vous changerez de disque quand trois nouveaux gangs viendront vous faire payer trois fois vos tuyaux. Ça s'appelle Overboardé. Ah oui, c'est vrai. Bonjour chez vous. Ah. Un jour, Jonah, j'arriverai à te faire dire quelque chose de bien sur moi. Tu verras. C'était presque classe ce que je viens de faire. Presque. Il y a un mot-clé dans la phrase. Maintenant que vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici ? Je leur dis que j'en ai ras le bol de voir leur... Elle me plaît beaucoup, elle. Ça, elle me plaît vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Besoin d'un cavalier pour le bal ? Vous avez un spider smoking ? De toute façon, il n'y aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance d'Oscorp. Mais ça valait le coup, non ? Ouais, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Laissez-moi deviner, il faut que j'aille réparer toutes les tours ? Vous voulez dire qu'il y a des tours dans toute la ville et que si je les répare, je suis rebranché sur un réseau d'informations et donc je connais toutes les activités autour, c'est ça ? Comme c'est original ! C'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. J'ai... Avec un mini-jeu à la con, je vais parier. J'adore les défis. Si vous cassez, vous payez. Je croyais que vous me faisiez confiance. Tom Lapomme qui dit donc cette Curie ne nous laisse pas de glace, qui est peut-être l'un des pires jeux de mots que j'ai vu à date. Fréquences d'entrée sont inversées, subtil. Oh la vache, oh la vache, oh c'est oh, oh je me fais déjà chier. Oh c'est effarant ce que je me fais déjà chier. On vient juste de récupérer une tour. Non, c'est le pape et j'attends ma sœur. Sous le masque, hein ? Quoi que vous ayez fait. Vous pourriez le refaire avec les autres tours ? À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait, j'ai des unités pas loin. Pas la peine, je m'en occupe. Pourquoi pour localiser les crimes ? Ah. Vas-y. Alors sous prétexte que c'est des jeunes en survêt, c'est des délinquants, ils sont en train de faire un cambriolage. Peut-être juste que le mec a perdu ses clés et qu'il essaye de se débrouiller avec les moyens du bord, hein. T'y as pensé, ça, speeder raciste ? Pharon, ce garçon. Il y en a encore un ? Oui, toi. Ok. Ok, c'est plié. Merci. Maintenant, je vois une agression. Merci. Vous. Ah, vous avez de la chance ? J'ai justement un vieil inspecteur Bougon au cœur d'or sous la main. Quoi ? Non, 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 non. Vous m'avez promis que vous ne feriez... L'inspecteur Spider. Je vous en prie. C'est de la merde, hein. Oh, c'est de la merde. Oh, le cringe est total. Et je sais que c'est censé me faire cringe, mais non. Je ne cherchais pas à ressentir cette sensation pour l'instant. Bon, par contre, j'insiste, hein, le fait de... Alors, c'est toi, la balance. Le vol avec l'étoile est vraiment, vraiment agréable. Ouais, c'est bien extrêmement bien foutu. Je dis, dégage. Ah oui, ils étaient 12, elle était 1. Mais fiche-moi la paix. Boucle-la un peu.
Laissez-la tranquille. Bonjour. Aïe. Aïe. Plan B. Aïe. Oh. Ok, ok, je vais crever sur une baston avec des mecs au pif. Je le vis bien. D'accord. Fout à cagoule. Sauf à cagoule, naturellement. Donc... oui, je suis mort sur des mecs random. Mais je le vis extrêmement bien. Laissez-la tranquille. Les brutes, utilisez vos toiles et vos projectiles pour les affaiblir. Oui, d'accord, donc les brutes, vous agissez comme Fisk. D'accord. Aïe. Aïe. Mais appuie sur... Ok. D'accord. Alors là, vous vous dites peut-être, ce mec est un sac, il joue vraiment comme une merde. Vous avez un point. Vous avez un point intéressant, qui mérite d'être développé. Le mec random, c'est les plus gros risques. Merci. Voilà, si le chat valide ma médiocrité, tout va bien. Je me sens beaucoup mieux. Laissez-la tranquille. C'est la chance de ma vie, j'y crois à mort. Ok, cours, raccroche-toi à la vie. Saoule-toi avec le bruit du monde qui t'entoure. Ok. T'as tiré une toile sur quoi, Spider du con? Ah, lui, d'accord. Ok, du premier coup. Par contre, c'est des random versions easy pour le moment. Ça aurait été bien de continuer à me rassurer en même temps. Mets la cible et appuyez sur R1. R1, c'est celui-là. D'accord. Oui, parfois j'ai du mal à me souvenir de qu'est-ce qui est R1 et L1. Ça arrive. Oh, on est au top de nos capacités, on est parfait. Tout va bien, madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais... C'est aussi ce que dit mon proctologue. Est-ce que vous avez un endroit où aller? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, oui, mais... le Centre Fist. Font les meilleures galettes de blé de la ville, et de loin. Ils font de très bonnes galettes au Centre Fist. J'en ai pas mangé depuis bien longtemps. Ok, j'irai peut-être. Merci, Spider-Mec. Non, mais c'est Spider-Man, mais... Alors... Ouais, Spider-Mec, ça sonne bien. Je devrais pouvoir repérer la prochaine tour de là-haut. R2 pour effectuer une course murale. Wouhou! Son promontoire, l'inspecteur Spider retire sa destination, la deuxième tour de surveillance. Vous faites une voix de narrateur? Quoi? Bien sûr que non. Le chef ne comprenait pas l'inspecteur Spider. Elle n'appréciait pas cette voix. Je sens que... Oui, je... moi aussi, oui. C'est un jeu très agréable, s'il n'y avait pas ça. Je vais peut-être couper les dialogues en général, c'est peut-être une idée. Là-haut, bonjour. Tout le monde les mains en l'air, j'ai le son qui braque. Ok. Je suis sûr que je pourrais modifier ces tours pour détecter plus que les crimes. Non. C'est compliqué votre truc. Ah, ça y est. Laisse-moi deviner, il faut que j'aille là où il y a le gros faisceau lumineux. Bingo.
Les tours captent maintenant toutes sortes de radios identifiants. Dont un juste là. Qu'est-ce que c'est ? Je peux deviner une quête secondaire. Des plumes à récupérer. Tenue des Templiers. Vieux sac à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. What the fuck is that shit? Il a laissé des sacs à dos partout, Kevin. Je me demande s'il y en a beaucoup dans la ville. Oh la vache. Oh la vache. On chasse les sacs à dos maintenant. D'accord, très bien. Non mais d'accord, ok. Et du coup, si je fais... D'accord. Très bien. Sac à dos découvert, menu du premier encœur. On a un vol à... Intégralement traduit en français, ceci étant dit. Non. Non, absolument pas. Très bien. Curugla. L'inspecteur Spider s'en charge. Mi-homme, mi-araignée, 100% flic. Oh non, Yuri et moi, on est vraiment là, en fait. Hein. On est clairement sur la même longueur d'onde. Je m'identifie beaucoup au personnage de Yuri, étant moi-même une jeune femme asiatique. Pour ce que vous en savez. Ah oui, merde, non, il y a la webcam maintenant, c'est vrai. Ouvre le coffre. Allez. Hey, salut. Ah. Spider-Man, tue-le. Ok. Ah, ça va, je commence à maîtriser tout doucement un peu mieux la situation. Peut-être que je me casse d'ici parce que j'entends des bruits. Il en arrive d'autres ? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas besoin d'être criminel. J'ai trouvé des portières. C'est ma nouvelle arme préférée. Ok. Je gagne des jetons de crime. C'est bon, Yuri. Je vais réparer la dernière tour de Chinatown. Vous voulez dire que l'inspecteur Spider va la réparer ? J'ai bien réfléchi, Yuri. Être policier, c'est un truc de jeune. Et l'inspecteur Spider, c'est plutôt un vieux de la vieille. Pourvu que ce soit bien ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Spider prend sa retraite. Ah, oh, Dieu merci. J'ai besoin d'un verre. Nous trinquerons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Spider. L'infatigable. Yuri, vous êtes non, là? on va pas trinquer à la mémoire de. On a dû être submergé par ouais, c'est ça. Le moment. Facture d'hôpital, non payée. D'accord. Et qu'est-ce que je fais avec vos jetons? Est-ce qu'il y a un DLC pour que Spider-Man ferme sa gueule? Demande Dewey Yata sur le chat. Merci, Dewey, de poser cette question que je crois nous posons tous à l'heure actuelle. Et du coup, je... Collection. Est-ce que ces jetons, ça me sert à quoi, en fait? J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on ne m'a pas expliquées encore. Mission, maintien de la paix, ok. D'accord. J'aime le fait qu'il y ait un truc DLC directement là. Et par j'aime le fait, je veux dire non, j'aime pas le fait en l'occurrence, mais c'est pas grave. On va récupérer encore ce sac à dos et puis on va faire le dernier truc. Parce que tant qu'on en est à chasser des sacs à dos, et une fois qu'on aura branché la dernière tour, on fera une petite pause et je pense, comme dit... Je sais pas si on enchaîne sur Assassin's Creed ou ce qu'on va faire. Je vous cacherai pas que là, 2 heures de stream, beaucoup d'action. Ah, on va peut-être faire un peu d'Assassin's Creed quand même, juste pour voir ce qu'il faut. En fait, là, je suis en train de me décider sur le premier jeu que je fais parmi... Parce que, bon, petite promo en ce moment sur le PlayStation Store, donc j'ai récupéré Assassin's Creed Odyssey et Spider-Man. J'essaye de voir si le premier que je fais, c'est Assassin's Creed ou Spider-Man, et là, je vous cacherai pas que Spider-Man part avec une longueur d'avance parce que je passe un bon moment, malgré ses doublages à chier. Comment je récupère ça? Aïe. Non, c'est une mauvaise idée.
Non, non, calme-toi, calme-toi. Merci. DL de Bugs Boy sur Switch. Je DLerai pas la démo, je DLerai la version complète. J'ai très hâte de jouer à Bugs Boy sur Switch. J'ai beaucoup aimé la version DS, donc très très hâte. De toute façon, on a plein de choses à faire sur Switch, je nous vois à l'occasion. Et la Switch sera bientôt rebranchée, puisque pas mal de petites choses que je voulais vous montrer. Oui, là, dans le setup actuel, avant, dans le setup où j'étais, je pouvais brancher deux consoles à la fois. À l'heure actuelle, c'est une console à la fois, mais mieux vaut une console à la fois en 1080p propre et classe, plutôt qu'une console... que deux consoles, mais en 720p discutable, voire en 480p dégueulasse. À chaque chose, malheureusement. Oui. Mais Oscorp, c'est pas censé être plus ou moins les méchants dans le Spider-Verse. Non mais je suis dessus là, tu déconnes. Voilà. C'est ce que j'ai dit, j'étais dessus. Ouais, t'es la mauvaise foi au bout d'un moment. Objet à collectionner, à collecter, défis et missions annexes. D'accord. Ah oui, c'est vraiment les tours de... les tours d'Assassin's Creed. Augmentation des dégâts de mêlée de 10%. Ouh. Oh non. J'ai pas envie qu'on voit mes trois poils sur le torse. Oui, j'ai pas non plus envie de voir les trois poils sur ton torse. Deux jeunes cons. On a même un sac en périphérie là. Allons faire le sac en périphérie. Les outils dont j'ai besoin pour ma tenue sont au labo. Je me demande si le docteur Octavius est rentré chez lui. Sans doute, avec plein de bonnes nouvelles. D'accord, on se passe un petit coup. Alors, connexion au réseau Wi-Fi a été interrompue, c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé avec le comité ? Je suis désolé d'avoir tourné. On a encore de la connexion là ? Vous voyez encore le stream ? Rassurez-moi. Vous voulez que je passe au labo pour ranger ? Non, non, je dois sortir dîner. Nous reprendrons demain. Une petite pause et retour à la création du futur. Prototype inutilisé de glu. Il faudrait prélever l'optimisme de cet homme et le vendre en bouteille. Apparemment, il a quitté le... Ah oui, donc je vois déjà les tours, d'accord. Et mon prochain objectif de quête. Quelle est la taille de la map ? Raisonnable. Pas énorme, mais raisonnable. Un assaut du château, mission annexe. Ah, on a déjà une mission annexe ? Bon Dieu, le temps passe. Labo, je peux m'occuper de ma tenue tranquille. On va aller s'occuper de notre tenue encore avant de clôturer ce chapitre. Pendant que la connexion réseau Wi-Fi est de plus en plus interrompue. Ne paniquons pas, hein, c'est sans doute complètement normal. Pas du tout une box qui commence à péter les plombs. Vraiment, hein, c'est... Pardon, excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Je suis allergique au procédé scénaristique de merde. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que je peux encore utiliser comme objet ? Ah ben ça, nickel. Voilà. Parce qu'il y avait des objectifs bonus, c'est important de les accomplir. C'est toujours un plaisir de faire capoter une vente de drogue. C'était de la drogue, ça ? D'accord. Allez, je file avant l'arrivée des flics. Ils sont pas toujours contents de me voir. Pourquoi ? Pourquoi ils seraient pas contents de te voir ? J'essaye de comprendre, en fait. Bonjour. Sac à dos. C'est moi qui vais à l'école, toujours rempli de bricoles.
Oui, Cobb Bugsboy, on va voir. Parce qu'en fait, le truc, c'est que mon planning est extrêmement aléatoire à l'heure actuelle. Et que je ne sais pas, je peux rarement prévoir quand je suis dispo ou pas. Il est un peu gênant pour programmer ce genre de rendez-vous. Mais si jamais, effectivement, il y a la possibilité, why the fuck not? Maintenant, voilà, je préviens, c'est compliqué. Vous êtes chiant. Incident en cours à Touchdown. Allez, on va s'occuper de ça encore. Bonjour. C'est un sacré accident, ça. Ça a l'air grave. Au secours ! Allez ! Quelqu'un est bloqué sous cette voiture. Je dois aller l'aider. Fais ce que je veux. Faire en ce truc-là. Alors. Pas de panique, je suis là. Voilà, et maintenant il a plus de portière sur sa voiture, c'est malin. Et je fais quoi, là ? Ah oui, il faut que je sauve ces citoyens-là aussi. Tout de suite, occupons-nous d'abord de ces plaques d'égout. Quelqu'un est coincé sous ce véhicule. Oui. Ah, merci. Encore une fois, tu dois sentir la tension dans les muscles. Vas-y. Tu squattes, tu soulèves avec les genoux, tu soulèves pas avec le dos. Vas-y. Vas-y, tu fais ton squat. Vas-y. Vas-y, tu peux le faire. Sois tonique, tonique sur les cuisses. Vas-y. Vas-y, fais-le. Vas-y. Vas-y. Monsieur policier, vous bougez pas. Il lui faut motivation. Vas-y. Vas-y, fais-le. Salut, collègue 6. Bonsoir à toi. Votre présence féminine sur ce chat, ça fait toujours plaisir. C'est bon, il n'y a personne d'autre. Content d'avoir été là. Ok. Le ton de crime. Ah oui, parce que c'est un délit de fuite, c'est un certain d'un crime. Hein? Qu'est-ce qu'on était parti faire? Sac à dos. Le dernier sac à dos, hein, bon. Avant la pause. Et salut, Saut 14378. Tellement de chiffres. Oups, désolé. C'est une pluche. Et chou. Bien. Bon, ça suffira pour aujourd'hui. Hein. Donc, Spider-Man, PlayStation 4. C'est pas dégueulasse. Passe un bon moment. Faut que je trouve le moyen de te... Alors, attendez. Non, vous savez quoi? Avant de quitter. Je suppute que ça sauvegarde. Déjà, on va faire une sauvegarde manuelle. Voilà. Et ensuite, on va quitter. Oui. Et on va regarder s'il y a moyen de basculer les voix en anglais dans le jeu. C'est une information qui va conditionner beaucoup de mon appréciation ou non de ce jeu à l'avenir. Là, je suis à 38 minutes, je dépasse tout sur les VOD aujourd'hui, alors c'est une catastrophe. Normalement on a un rythme, on fait une demi-heure et tout, c'est une catastrophe. Je suis désolé. Réglage. Visiblement, non, on ne peut pas. Ah. Ah. Bref. Au revoir YouTube, à bientôt pour de nouvelles aventures.